Bonjour. Vous êtes bien? Alors, ici, j'en ai des choses que j'utilisais avant. Parce qu'avant, on n'avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Est-ce que sur la table, vous voyez des choses que vos parents ou vos mémés et pépés ont chez eux? Ça, ils ont pas? Ça. Ah, j'ai qui? Moi, papa. Mamie Maëlle a ça, alors. Et ça sert à quoi? Ça sert à écraser les oignons et l'ail. D'accord, oui. Il y a des objets que vous connaissez sur la table. Un téléphone. Un téléphone, où tu vois le téléphone? Ça, c'est le téléphone d'avant. Un repasseur. Un repasseur, un fer à repasser. Mais les fers à repasser, pendant mon petit coq. Ça, c'est pour voler. Ça, c'est les petits fers à repasser qu'on avait avant. On mettait du charbon à l'intérieur. Là, il faut aller ouvrir, mais mamie a plus trop de la force. Touche pas mon petit coq. Et après, on laissait bien le charbon chauffer. Et après, on repassait le linge parce que c'était chaud. Toi, tu sais. Mais non. Oui. Ça sert à mettre de la lumière. C'est pas comme les ampoules ici. Ça s'appelle la lampe à pétrole. Oui, et comme l'autre là-bas. Voilà, exactement. Quand on faisait noir le soir, on mettait du pétrole à l'intérieur et on mettait pour voir clair pour manger sur la table. On n'avait pas la chance d'avoir des ampoules comme ça. Mon papy, il en a ça. Quoi? Ah, un Bertel? Mon papa, il a ça, il pourra aller à son collège. D'accord. Et après ça, maintenant, on peut aller à la pêche aussi avec. Quoi, ça? C'est pour toi, mais... Oui, pour toi, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Pour faire parler, c'est la musique. Ah non, c'est pas une boîte à musique, hein. Non, qu'est-ce qu'on boîte met? Une boîte à café. Ah, ben t'es normal, tu es déjà venue, toi. C'est pour ça que tu dis. Alors, on met le café dedans, les petits grains de café qu'on récolte dans les champs, on met dedans, et après on prend, et Antoine. Pour avoir du café. C'est de la poudre. Non, on ne joue pas, parce qu'après tout le monde va vouloir toucher. Après, on enlève dessous, comme ça. On enlève ça et on obtient. D'accord? Et ça, c'est le riz. Et quand Mémé était jeune, elle lui faisait comme ça pour trier le riz. S'il y avait une petite paille dedans le riz, Mémé tirait, il faisait comme ça. Pour dire que le riz est propre. Vous voyez? Après, les pareils avec les grains, les lentilles et tout ça, ils peuvent mettre dedans. La pose autre loquea, y cause, y flan mec respect. Nous bois, y flan mec respect. Au combat de potien, beau dommage. Vous pouvez, je crois que je récupère au moins deux. Et si ça tombe sur le parterre, je passe ma main, je te laisse. Allez, dans son bain, donne soutien. Ça va, tu vois. Tulip, tulip, balalide, tulip, tulip, balalide, tulip, tulip, balalide,
copain. Tu vas le voir, tu dis, pardon, parce que j'ai pas fait exprès. Ben, grand-mère Cal, elle vient pas. Oui, mais tu sais, en fait, elle regarde tous les jours, tous les soirs, grand-mère Cal vient la nuit et elle regarde si les enfants écoutent et elle écoute pas. Voilà, c'est ça. Et elle regarde par les fenêtres. Oui. Tout. Ça veut dire que grand-mère Cal va arriver. Parce que grand-mère Cal, quand le bruit fait tout. Attention, peut-être grand-mère Cal, ça arrive. Écoute. Allez avec moi, on fait tout. Ah mon Dieu! Ah, c'est grand-mère Cal. S'il n'est pas encore là, grand-mère Cal n'y viendra pas. S'il l'a fini d'arriver, grand-mère pour manger ça. Solidarité.